Bonjour, monsieur le curé. Bonjour, mon bon ami. Comment ça va-t-il? Ça va pas fort. J'en peux plus de ma femme. Ah. Et qu'est-ce que vous lui reprochez? D'être là. Il ne fallait pas l'y mettre. Ça, c'est mal répondu, monsieur le curé. Non. Souvenez-vous, voyons, du jour où nous nous sommes mariés, vous ne viendrez pas me dire que c'est la même femme. Dame, elle a 30 ans de plus. Mais c'est pas une question d'âge, ça. On peut avoir 52 ans et ne pas être comme un tonneau. N'avez-vous pas changé vous-même? Soyez juste. J'ai pris 30 ans, c'est une affaire entendue, mais moi, je ne bois pas 3 litres de vin par jour, je ne gueule pas du matin au soir, je ne casse pas la vaisselle. Et pour tout dire, monsieur le curé, j'ai beau avoir 53 ans, moi je me lave les pieds. Qu'entendez-vous par là? Que je me les mets dans l'eau et que je me les savonne. Ah bon? Je croyais que c'était une façon de parler. Non. Et elle n'en fait donc pas autant? Oui, tous les 2 mois. Et pourtant, elle voit bien que moi, je me les lave toutes les semaines, comme tout le monde. Mmh. Ce n'est pas elle qui vient là-bas? Regardez-moi ça. Un vrai boudin. Est-ce qu'elle va se confesser de temps en temps? Non, jamais. C'est dommage parce que vous auriez pu lui en dire 2 mots. Ça, un prêtre ne peut pas conseiller à ses ouailles de se laver les pieds. Ouais, en dehors des pieds, vous auriez pu lui faire comprendre que... Quoi? Ah, vous avez raison. Lui faire comprendre à une femme qu'elle est de trop et qu'on voudrait la voir au diable. Vous avez de l'imagination, monsieur le curé? Peut-être, oui, un peu. Bon, bah tenez, vous êtes couché. Et vous voyez ça arriver dans votre lit. Alors, excusez-moi, j'ai beaucoup moins d'imagination que vous ne le pensez. Ouais, c'est entendu. Non?